Salut, c'est Mouchou et bienvenue à cette loterie progressive d'anniversaire de 3 ans. Oui, le jeu a enfin 3 ans. Oui, 3 ans d'existence, 3 ans qu'on geek, qu'on est foutu, qu'on continue à jouer et qu'on adore jouer. Mais adore souffrir aussi, mais adore jouer aussi. Et donc, pour cette fameuse loterie de 3 ans, ils nous ont donc confectionné, comme on le sait, un personnage mystère qui n'est en fait que Ulquiorra. Eh oui, le fameux Ulquiorra dans sa dernière transformation possible avec le Ogyoku, d'où ma transformation d'aujourd'hui pour faire tomber une masse qui est masse des news des 5 étoiles, si. Donc, comme vous le voyez, c'est une période on va dire assez courte pour cette loterie, enfin courte, on dirait une semaine quoi. Et donc le principe de cette loterie, bah sont des paliers, comme on dit progressive. Donc en fait vous commencez au début, on va dire aussi bien en solo comme multi avec une loterie gratuite. Et en fait, après, au niveau des paliers, ça devient moins cher, plus cher, plus cher, et prix normal. Enfin, sauf que là, ils ont mis directement le prix normal au bout du palier 3. Dans les précédents step-up qu'on a eu les précédentes années, on va dire qu'il y avait plus de progression. Là, c'est un petit peu du rapide. Ma foi, qu'est-ce que je vous dis, hein. Et donc, vous voyez qu'à chaque fois que vous passez un palier, vous avez aussi des bonus à côté. Donc, toujours pratique à avoir, on va dire. Bah, par exemple, là, pour le deuxième palier, il y a les Goku. Donc, ouais, pourquoi pas. Il y a les volontés ensuite. Ouais, aussi. Après, le pinceau réécriture affûtée. Là, c'est déjà un peu mieux. Et il y a quoi d'autre? Bah, après, derrière, on passe palier 6, on a ça avec les 5 étoiles. Donc, ça, c'est cool. Hein. On a 40 plus 80 armes. Donc, ça signifie on peut le up direct. C'est beau. C'est classe. Et donc, après, le solo, c'est le même principe aussi, quoi, comme je vous le disais. On passe à du 0 au 15, 25 et toujours des bonus à côté. Là, on a une clé d'ouverture en plus. Ouais, c'est pas mal. Bon, on n'a pas de garantie pure pour avoir du 5 étoiles. Faut pas trop en demander. Dirons-nous. Et donc, faut savoir que pour ce gacha, je veux dire, il y a un nouveau personnage, Ulquiorra. Ils ont fait quand même une version Ulquiorra anniversaire très pétée. Ouais, très pétée puisqu'il a quand même 769 de pression spirituelle. C'est pas rien, ça fait du bobo. En plus, si on va dire, il est un petit peu cheaté de partout, dirons-nous. Enfin, quand vous verrez par rapport aux caractéristiques, bon, déjà on voit que c'est une affinité rouge. Donc, moi, quelque part, c'est vrai que j'ai plein de personnages rouges, donc vous me direz, ah, peut-être trop, mais en même temps, bon, au moins, côté Link, je suis bien. On voit quoi? Qu'il a 1057 de vie, donc une vie supérieure à la moyenne. L'attaque 640, normal, faut pas trop cheater partout. La défense 357, donc défensif, ouais. Donc, on voit que le personnage est plus orienté vers du côté sad, ça. Bon, le seul truc qui est très triste, comme vous voyez, c'est que voilà, tueur, aucun. Là, c'est A. Je vous dise, hein. Donc, sur Soul 13, c'est l'attaque puissante plus de 25%. Renforcer l'idée que je vous ai dit tout à l'heure du SAD ou du SAR. On voit que, donc, du coup, il a la capacité, donc, l'attaque normale renforcée à 20% pour égaler un peu les. Répartir un peu les forces. Il a le Frenzy, donc, ça, c'est pratique, hein. L'attaque spéciale renforcée à 40%, le soutien, donc ce que je vous disais qui était un petit peu pété, c'est que en fait il bénéficie du bouclier. Et ouais. Et en plus il a équilibre, donc il peut continuer à taper même si on a des dégâts. Pas grave. Sonny 2 supplémentaire, classique. Et donc il faut savoir en plus aussi qu'il a l'affaiblissement. En fait, quasiment tous ses coups, sauf le coup de pour le bouclier, dans l'ulti, affaiblissent, oui. Bah, tant qu'à faire, on le fait bien péter, hein, on va dire. Ouais, ça va, ça reste cool. Et en matériaux nécessaires, pour l'avoir, ben on voit qu'on a besoin de quoi? De Azien, Adivel, d'un nouveau. Eh oui, ils l'ont mis, le petit Baragan en version 5 étoiles. Donc, des orbes à se faire. Mm-hmm. Et la Orimi 4 étoiles, histoire de la mettre, parce que vous savez, la relation entre Ulkiki et Ori est très paternelle, mais Orimi préfère Ichigo. Ah, la vie quoi. Et donc, continuons. On voit qu'ensuite, pour ce step-up, ils nous ont prévu un paquet de personnages. Oui, un paquet. Donc c'est vrai que les taux sont, par rapport à d'habitude, sont comme d'habitude pour avoir en priorité les nouveaux personnages. Parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a, voilà, il y a 12 personnages en sélection, donc phare, en tête. Donc on va dire, c'est de bannière, quoi, c'est la bannière. Donc on voit qu'il y a du Yamaji, Yamamoto,
Vert, donc le manchot, donc il fait du bobo. Très bien, très bien. Mayuri rouge avec son dégât subi. Très bien, très bien. Ensuite, on a le Kaname avec son... Comment dire? Bah, cette version de Kaname là, on va dire, il était plus respecté les autres, que les autres versions. Donc c'est quand même très très cool pour jouer, quoi. Après, bah, mon White. Mon White, bah oui, pas forcément mon White. Là, on arrive à le personnage que j'ai déjà. Le Aizen que j'ai déjà aussi. Mais mon très, bon, très très bon personnage. Ishin avec son sultré, justement pour le Blue, bah, j'ai déjà aussi. Hein, bah, Ryoken, pareil aussi, déjà. Très pratique pour le dégât subi. Ensuite, on a le Shinji aussi, pareil, il a son sultré boosté. C'est toujours bien à voir. Et en plus, pour les quêtes guild, il est pratique comme il est très rapide. Pareil pour la Siphon, très rapide pour faire les quêtes guild. Donc, je vous dirais, toujours bien à voir. Donc, pareil, cela je les ai déjà. Il y a le Yori qui sont dit, qui est quand même très très sympa, que je n'ai pas. Donc, oui. Et, bah oui, Rangibubs, bah, que j'ai déjà aussi. Mais qui est très pratique aussi pour les Vortex, pour les quêtes guild. Donc, ils ont fait une belle sélection, faut pas le dire le contraire, on va dire. Bon, pour un mois, on va dire, à mon avis, les anciens joueurs, ils doivent faire un peu la tête, parce que forcément, à bout d'un moment, on cumule des persos, quoi. Donc, pour avoir le Hulk qu'il y aura là-dedans, sur les 12, ça va être compliqué. Il faut savoir aussi que dans les fillers, c'est pas comme d'habitude. Ouais, parce que forcément, vu qu'il y en a 12, on va dire, en sélection, ben, il y en a plus de 100, il y en a environ 140, 150 de personnages 5 étoiles en filaire. Ouais, vous avez bien entendu. Donc, quelque part, c'est bien, parce que ça signifie qu'au niveau des tirages, il va pleuvoir du 5 étoiles. Mais maintenant, ça va être la vraie difficulté, ça va être de pas choper du doublon, avoir le Ulquiorra et choper les nouveaux personnages qu'on n'a pas encore. Une sacrée mission, je vous dirais, une sacrée mission. Donc c'est vrai qu'après, autour de ce step-up, ils ont aussi fait un deuxième gacha qui est gacha affinité, bien évidemment. Donc le plus simple, c'est de faire entièrement ce step-up et ensuite d'aller faire le gacha affinité, parce que là, on saura directement de quelle affinité on a réellement besoin. Parce que comme vous avez vu, on a beaucoup de personnages qu'on a dans ce gacha et qui sont aussi dans la gacha affinité. Donc ne vous enflammez pas à faire directement vos affinités. Petit conseil. Donc voilà, donc après toute cette petite analyse qu'on a vue et de comment ça va se passer, je pense qu'on est prêt pour lancer. Mais comme d'habitude, mes petits tickets silver d'abord. Allez, on y va. Donc voilà, on a pull les 100 tickets cette fois-ci, par rapport à d'habitude où je mettais 80 de tickets silver pour faire un bon brassage pour commencer step up. Je vous cache pas que j'ai le stress, j'ai les petits trucs là, ça... Il fourmille partout là, quoi. Et donc là vous avez vu, j'ai donc économisé 2000 orbes. Donc ces 2000 orbes vont me permettre normalement de, enfin logiquement, de faire tout le step up. Le multi et le solo. Donc je commencerai d'abord par le multi et après je verrai peut-être si je coupe avec de temps en temps avec du solo ou si je fais tout d'un coup, on verra selon le feeling de comment ça se passe, quoi. Et donc faut, par contre, petit détail, faites attention, c'est le premier rang, donc ça signifie qu'il va y avoir un deuxième rang, donc ça signifie qu'il va y avoir encore une autre loterie progressive, logiquement, ou un autre gros gacha, donc faites attention. Allez, je stresse, mais comme on dit, quand faut y aller. En plus, la première, elle est gratuite, donc on peut y aller le cœur léger. On y va. Je me concentre. Et on fait pleuvoir du 5. Et du bon 5, si vous voyez ce que je veux dire. Tchac. Loterie gratuite, envoie-moi du bon 5. Bien. J'ai récupéré copain. Ça va, copain? J'ai récupéré copain. Bon, premier doublon. Tout va bien.
C'en est qu'un. C'en est qu'un. Ah, dommage. C'est dommage. Je vais pas dire que je suis pas content, on va dire. Donc, du coup, mon intérêt pour lui, c'est je vais le faire monter sa SP, quoi. Il sera SP2, quoi. Ouais. Ah, là. Bon, la première, on peut pas dire qu'elle soit totalement négative, puisqu'on a eu quand même un 5 étoiles qui est tombé direct. Donc, ça lance, on va dire, des bonnes choses, donc ça va pleuvoir du 5. J'espère. Et maintenant, ce serait bien d'avoir du new. Donc là, on va passer au deuxième. Donc là, on va commencer à payer. Oui. Là, on va payer, on n'a pas le choix. Hein. Faut bien passer un moment ou un autre, comme on dit. Hein. Allez, premier 150. Hype, vibe, go. Deuxième doublon. Donc ça va être pareil que pour le white. Là, l'intérêt, enfin, vous me direz peut-être que je peux garder un doublon pour son sous-trait. Comme ça, un sous-trait à booster. Mais bon, vous me direz, il y a un 5 étoiles pour l'instant à chaque tirage. Hein. Ouais. Ah, c'est violent quoi. Vous avez marqué quand même deux oranges qu'il me donne là. Marrant ça. J'ai repris un peu de force. Et en fait, je vais injecter un peu plus de Mucho Spirit dedans. Il n'y en avait pas assez. Et par cette combinaison, là je serai satisfait. Mucho Spirit on. Hey, Taniba, Taniba. Oro mo Shinigami mo chouetsu shita watashi no hanatsu. Comme vous avez compris, c'est un doublon. Et c'est des bons personnages, je peux pas dire le contraire, ce sont des bons personnages. Là par rapport, c'est un des bannières qui est tombé du coup là, mais pas le bon bannière quoi. Aïe. Putain, troisième multi. Et comme vous voyez, encore un doublon. Ouais. Donc pareil, Aizen, ça va me faire monter sa SP, hein, je veux dire aussi, pareil. Hein. Donc là, pas que je panique, mais bon. On est au quatrième palier. J'ai eu 3 personnages 5 étoiles, 3 doublons. Ouais. Donc là, j'implore le petit Kiki. Le Kiki, viens voir papa. Bon, j'espère bien sur celui-là. Yokoso, execution. Je me disais bien là, depuis tout à l'heure j'enchaîne directement des 5 étoiles, ça pouvait pas durer comme ça quoi. Même pas à peine de défiler, on sait très bien ce qui va en être. Quoi. Donc, vu que les multis me réussissent pas trop pour l'instant, on va tenter du côté des solos pour voir ce que ça donne. Si ça paye un peu mieux, quoi. Donc, on est parti pour la première gratuite. Bien que les solos et moi on n'a jamais été vraiment potes. Là je m'étais fait une belle joie de ce step quoi, on va dire, même malgré les défauts qu'il y a ce step aussi quoi, parce que bon c'est rien à voir avec les premiers steps qu'on avait quoi, mais bon. Ouais. Bon, je crois qu'on va arrêter de faire les frais sur le solo.
Parce que là, c'est en train de me démoraliser complètement, là. Mais alors, complètement. Donc, on repasse au multi, puisque... We'll be right back.